Yo la famille, c'est comment? Toujours Rito, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je suis sur DJ Léo. Vous savez pourquoi? Parce que hier, il a sorti à 18h. Lui aussi, il a sorti un son à 18h sur sa chaîne YouTube. Reggae. Je sais que j'étais aussi pour rendre hommage à Bob Marley, mais en même temps, c'est un son qui donne beaucoup, beaucoup de conseils. Et ce son ne peut pas passer sans que Rito ne réagisse dessus. Voilà. Donc, il paraît aussi que tout le monde apprécie bien le sourire d'Erito. Alhamdoulilah. Très bon jeûne à tous mes frères musulmans. En tout cas, je suis avec vous. Je suis avec vous. Priez pour Erito. Je prie pour vous. Et comme on dit, union de prière. Qu'Allah exauce tous vos voeux. Voilà. Il faut que je réagisse au Fobara de Didier Léo. Même si moto est en tas. Vraiment, la Chine, j'aurai un message pour vous parce que vous êtes un peu méchant. Franchement, vous êtes méchant. On se prend après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Amusement à part, hein? Amusement à part. Likez la vidéo là. Beaucoup, beaucoup de likes parce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des fans de Didier Léo qui me suivent ici? Voilà, parce que moi, c'est tout le coupé décalé qui est derrière moi. C'est tout le coupé décalé au grand complet qui est derrière moi. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a des fans de DJ Léo ici? Je ne vous sens pas parce que c'est pas normal que votre artiste sorte un morceau si joli en couleur, très bien structuré musicalement, et puis n'a même pas encore les 100 000 vues. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas content de vous. Franchement, petite impression, puis on revient. Tu ne viens pas d'une famille riche, mais tes parents ont saigné. Les gars, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez écouté les premières notes, non? Ça, c'est du DJ Léo. Oh, il est pétri de talent, ce mec-là. Il est super fort. Confidence, hein, confidence. Peut-être que vous ne le savez pas, hein. C'est un de mes DJ préférés dans le coupé décalé. Si je l'exprime pas trop, ça roule son affaire de sport là. Je comprends, hein? Voilà. Tu as des bienfaiteurs qui sont prêts pour toi, donc il faut souvent les rendre hommage. Je suis d'accord avec ça. Mais le talent que tu as là, c'est au-delà des spots. Voilà. Il faut faire des morceaux qui vont te faire voyager, qui vont t'envoyer très loin. DJ Léo, tu as le talent pour ça. Si c'est l'argent, on sait que tu as ça. Voilà. Maintenant, là, il faut chercher le nom aussi. Ce qui m'a plu dans ton direct, tu as dit que cette année, là, tu vas pas t'amuser. Puis effectivement. Après, 365 jours, le bon Dieu qui est là-haut a veillé sur nous, a pris soin de nous. Oh. C'est pas parce que on est joli que quelqu'un, oh. Ou bien on est mieux que quelqu'un. Oh. C'est pas sa grâce qu'on est là, qu'on s'amuse, qu'on est là, qu'on se danse. Alors disons-lui merci. Oh. Excusez-moi si je ne maîtrise pas la partie là, hein. Juste pour vous donner pour dire que cette année-là, ça va chauffer. Honnêtement, ça va vraiment, vraiment chauffer. Il a dit, cette année, oh, c'est pour moi. Oh. Ça, c'est DJ Léo. Malheureusement, il est sorti le même jour avec une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire dont le propriétaire est DJ Rafat. Vous comprenez un peu? Donc, les gens n'ont pas encore vraiment, vraiment écho que DJ Léo a fait sortir une belle œuvre comme ça. C'est du raga. C'est du raga. Un artiste coupé décalé. Les gens qui se moquaient du coupé décalé, non, nous on chante pas, on sait que faire du bruit. Vous avez vu ce que Léo a fait? Même s'il arrête de faire coupé décalé, il va tuer parce qu'il a tué le morceau. Impression encore, impression encore. Oh. Non, vous la Chine, vous venez d'écouter le mouvement. Vous venez d'écouter le mouvement, vous venez d'écouter le morceau. Ah! C'est le coupé décalé qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Vous êtes trop entassés. Moto de Didier Arafat, on est vous. Moi-même ici, à vous. Marche de soutien à Didier Arafat, on est d'accord. Mais lui-même, au moins, il a déjà fait un record que personne n'a encore fait. 1 million de vues en 22 heures. Il s'en fait 2 millions avant 18 heures. Ciao! Donnez un peu de force à Didier Léo. Son lien même en bas, en bas, en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Son lien en bas. Allez mettre sa vidéo à 100 000 là-bas. Ah! Allez mettre sa vidéo à 100 000. Ne soyez pas méchants. On doit être soudés. On doit être soudés. Lui-même là, Didier Léo, il a validé le moto en premier dans un direct où il annonçait Fubara.
Mais ya, tellement vous êtes en train de tout faire son mouvement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas vraiment, vraiment d'accord avec ça. Donc, j'espère que jusqu'à demain, il va planer sur les 200 000 vues. Voilà, parce que la Chine, vous êtes capable de ça. Ne vous concentrez pas seulement sur le moto-moto. Ah, moto-moto va continuer à progresser parce qu'actuellement, là, c'est même pas vous qui faites la promotion. Je ne vous demande pas de ne plus regarder moto-moto, hein, mais de ne plus partager le lien. C'est parce que je vous ai dit, hein, continuez à faire ça. Mais je vous ai dit, actuellement, moto-moto est tellement bien placé sur YouTube que les vues vont continuer à grimper. Ça va continuer à grimper. Ça va continuer à grimper. Voilà. Comprenez les choses comme ça. Donc, donnez de la force à ceux qui sortent autour de cette bombe-là. Voilà. DJ Lo, il mérite ça. Un artiste sans bruit, un artiste qui est toujours dans son coin. Donc, il mérite ça amplement. Amplement, je vous dis. Moi, je sais que Chinois n'aiment pas foutaise. Mais une chose est sûre, Chinois n'est pas méchant. Voilà. Ils ne sont pas méchants. Donc, allez donner de la force à DJ Léo. Fobarara, il a tué. Le morceau est trop chic. Le clip est beau aussi. Ah, en tout cas, cette année-là, ça va chauffer des. Les histoires de récompenses, de prix, là, ça va chauffer des. Parce que Léo dit cette année-là, il est vous. Voilà. Ça, c'est un son raga, il a envoyé. Voilà. Tout ça, là, c'est la concurrence, on va dire, loyale. Voilà. On cède, on cède. À la fin, là. C'est celui qui a beaucoup de fans qui a gagné. Voilà. C'est celui qui a beaucoup de fans qui a gagné. Parce que c'est là, actuellement, même Serge Benoît. Il est brûlé dans son coin, il a réfléchi un truc. Il va framponner parce qu'il a mis tous les artistes coupés décalés au défi qu'il va prendre le premier d'encore. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime ça. Donc, DJ Léo, c'est ton jeune frère irritant. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que tu m'as convaincu encore une fois de plus. Voilà, tu m'as convaincu encore que toi, tu peux faire Zouglou, tu peux faire coupé décalé, tu peux faire sport, tu peux faire R&B. Aujourd'hui, tu as confirmé Raga. Donc, quoi de plus normal de te soutenir? Tu mérites soutien, Olivier. Tu mérites soutien. Tu as tué le morceau. On a qu'à écouter encore un peu. On a qu'à écouter un peu encore. André, il parle là, vous comprenez pas. On a qu'à écouter un peu encore. À tous les chauffeurs et les balanceurs. Syndicat, j'ai sa main. Donc, fan du coupé décalé, DJ Léo est de retour avec Fobara. Voilà, et puis ça, on appelle ça chanson. Il a chanté. Voilà, c'est à ça là. Là. Ça qui dans son ventre et ça passe là. Il a fredonné encore son morceau là. 365 jours, le bon Dieu qui est là-haut a veillé sur nous, a pris soin de nous. Oh, c'est pas parce que on est joli que quelqu'un. Oh, ou bien. On est mieux que quelqu'un, oh. C'est par sa grâce qu'on est là, qu'on s'amuse, qu'on est là, qu'on s'enjaille. Alors disons-lui merci, oh. Dieu merci, oh. Dieu merci, olé. Dieu merci, oh. La nouvelle année, voilà nous. Voilà, donc c'était la vidéo pour le grando DJ Léo qui fait son retour, et non des moindres, avec du raga bien chanté. Donc félicitations, félicitations. Voilà, excusez-moi, je suis en train de transpirer. Je suis dans la ville, je suis dans la voiture. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas ma voiture. Voilà, c'est pas ma voiture. Je suis dans la voiture, donc je tenais à faire cette vidéo-là pour vous dire que je suis avec DJ Léo. Et puis j'aimerais que tout le coupé décalé aille regarder et écouter bien cette musique de DJ Léo Fobara. Franchement, il a barré le son. Vous savez, il invite tous ces jeunes-là à se battre. Voilà. Tu peux naître pauvre, mais il ne faut pas mourir pauvre. C'est pas bon. Dieu va se fâcher contre toi. Parce qu'il a mis tout à ta disposition. Voilà. Donc, le cadeau du ciel, DJ Léo, qu'il est. Il est sorti avec ça. Et puis, franchement, il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on l'encourage. Je vais laisser une minute de son clip là. Vous allez bien écouter. Mais le lien en description. Coupé décalé. Fan du coupé décalé. La Chine. La Chine. La Chine. Moto moto. D'accord. Mais DJ Léo Fobara soutient. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Héritor. On est ensemble. Marque de partage, marque de like. Et puis, j'ai une surprise pour vous dans cette soirée-là. J'ai une surprise pour vous. Je sais que certains Chinois seront découragés, mais j'ai une surprise pour vous. Voilà. La surprise-là, ne vous prononcez pas vite. Soyez prêts. Il peut frapper à n'importe quel moment. C'est dans cette soirée-là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de mon côté qui va venir. Voilà. Il faut qu'on mette certains pendules à l'heure. Que Dieu vous bénisse. C'était Héritor. Marque de partage. Et abonnez-vous. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.
Molo, molo, un jour pour toi va sortir. Laisse-la te négliger, laisse-la se moquer. Ils connaissent rien. La villa, c'est pas le départ, mais c'est l'arrivée qui compte.